Dis-toi bien. Johnny a vraiment fait partie de leur vie. René Hiver et Jean-Marie Elkeriès ont perdu la nuit dernière un proche, un grand ami. On perd notre meilleur copain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est triste. Mais deux hommes étaient dans le même groupe que la star à la caserne d'Offenbourg au début des années 60. Des copains du 43e régiment d'infanterie de marine. Là, c'est Johnny et moi. Johnny et moi. Dans la même chambre. Dans la même chambre, oui. Il y avait un lit et moi à côté, quoi. Et cela pendant 6 mois. Et puis, quand il allait quelque part, chaque fois, il me disait, Elkeriès, tu viens avec moi? Bah, oui, oui, bien sûr. Hein. Bon, on faisait des sorties sur Strasbourg. Il avait une voiture. Hein. Et il nous emmenait chaque fois, quoi. Les deux camarades ont conservé des correspondances et des tas de photos inédites. Voilà, regarde. Johnny, Sylvie, Johnny et Sylvie sur le char. Ah, celle-là, je ne connaissais pas. On était en manœuvre où il grattait la guitare au bivouac. Des souvenirs précieux. Et pour eux, Johnny, c'est aussi l'artiste d'exception, celui qui les a fait chanter, pleurer et même jouer de la musique. C'est un homme qui a été formidable, le cœur sur la main. Pour nous, il a été un copain de régiment discret. C'était un homme entier, un garçon entier. Et, bon, on perd une grande personne. Un personnage hors du commun qui va beaucoup manquer à ses copains de régiment.